Doucement avec les bagages, doucement les enfants. Mais pas vrai, c'est trop lourd. Puis ces chariots sont tous niqués. Putain, on ferait mieux de prendre des porteurs. On me surveille qu'on l'engage. Rachid, qu'est-ce que tu fais? Aïe, merde. Bravo, bravo, c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous auriez pu faire. Allez hop, filez là-bas, allez. Filez là-bas. Ouais. Mais enfin, vraiment. Non mais lavez, mais je vais laisser un fou. Et la vitesse, 20 images, les mecs. Vache, le père Pifafa, il se fait ratatiner. Irresponsible. Completely responsible. Putain. Non mais c'est des dingos là. Hop, la cata. Mais... Jérôme, sois aimable. Attends, je vais nous repérer le comptoir d'enregistrement. Ok, ça marche. Ah mon père, enfin vous êtes là, j'avais peur de vous rater. Vous avez 2 heures à perdre avant mon vol pour Pékin. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, j'avais le temps d'embrasser mon petit Bao. Ah bon. Et vous êtes venu accrocher à la vitre de l'autobus? Pas du tout, père Pain. Laissez-moi vous expliquer. Non, pas Pain, c'est Tarin. Aïen oui, comme Pain. Oui. Pain est pris juste comme exemple. Non, je suis resté accroché derrière le bus parce qu'en sortant du taxi, une Toyota conduite par un chauffard a failli me renverser. Nous aussi. Ouais, des Toyota, ils ont failli niquer le père Tarin. Et là, effectivement, c'est passé rasibus. Rasibus! Pour nous, les enfants, gardez votre énergie pour porter les bagages jusqu'à l'enregistrement. Oui, je vais vous donner un petit coup de main. Allez! Doucement, doucement.